Donc, je suis le docteur Séraphine Kabore-Sawadogo et je suis chercheur à l'INERA au niveau du Burkina Faso, l'Institut de recherche du Burkina Faso. Et j'interviens dans le programme du Challenge Programme for Water and Food au niveau de, dans deux projets. Le projet V1 qui est relatif au ciblage et à la dissémination des résultats de la recherche à l'échelle du bassin de la Volta. Et le projet V5 qui s'occupe du changement et du suivi des autres projets au niveau du bassin. Mon intérêt à participer à ce grand forum se situe au niveau des opportunités de partage des expériences autour des questions de développement et communes qui sont liées à l'eau et à l'alimentation dans les pays de l'Afrique subsaharienne, de façon particulière et de façon générale dans les pays en voie de développement. Pourquoi j'aimerais y participer? C'est comme je l'ai dit, en tant que Burkinabé, donc en tant que ressortissant d'un pays en voie de développement, je pense que ce forum serait pour moi une occasion d'échanger avec d'autres pays aussi, d'autres chercheurs qui viennent de pays en voie de développement, qui viennent d'autres continents aussi que l'Afrique, avec qui on pourrait échanger nos expériences et apprendre des uns des autres. Est-ce que vous avez déjà participé à un tel forum? Si, j'ai participé au deuxième forum du Challenge Programme for Water and Food. C'était en 2008 à Addis Abeba, qui avait réuni justement tous les participants des neuf différents bassins qui intervenaient dans la première phase du programme. Et cela m'a beaucoup édifié dans le sens que on a pu, comme je l'ai dit, partager non seulement les expériences, comprendre aussi quelles sont les difficultés ou quels sont les problèmes auxquels font face les chercheurs dans ces pays et aussi les populations dans ces pays. Et cela a été vraiment édifiant pour nous parce qu'on a pu remarquer que bon, on partageait les mêmes problèmes, on partageait les mêmes soucis et cela nous amène justement à comprendre que le monde est pratiquement unique, que les questions de recherche qui se posent au niveau de l'Afrique subsaharienne, questions de recherche qui se posent au niveau du bassin de la Volta, c'est plus ou moins les mêmes questions aussi qu'on retrouve dans d'autres bassins, sous d'autres conditions socio-économiques, mais de façon globale, c'est les mêmes problèmes. Et que la recherche devrait travailler à trouver des solutions ou à contribuer à faire, parce que au niveau du Challenge Programme, les approches qui sont développées font intervenir tous les acteurs. Les acteurs, que ce soit au niveau des producteurs, que ce soit au niveau des décideurs, que ce soit au niveau des politiciens. On essaie de faire intervenir tous ces acteurs-là pour trouver des solutions. Non seulement définir les problèmes ensemble et trouver les solutions ensemble. Et en cela, je pense que pour moi c'est très innovateur parce que bon, même au niveau des bailleurs de fonds, les questions de développement durable maintenant impliquent qu'on s'intéresse à toutes les chaînes du développement. Donc je peux dire que bon, ce qui est intéressant aussi ici dans le cadre de la deuxième phase, c'est que on prend en compte toutes les chaînes de la production. Donc les chaînes de valeur, tous ceux qui interviennent dans cette production-là sont prises en compte. Et en cela, je pense que pour moi c'est très innovateur et ça permet d'assurer une pérennité des activités ou des actions qu'on va mener, qu'on mène, qu'on va proposer aux décideurs. Du Sud. Je souhaite en tout cas y participer. Vous pouvez compter sur moi. Si Dieu le veut, en tout cas, on sera ensemble là. Merci, docteur Kabore. Merci.